Yo tous, c'est Squeezie Boy. J'espère que je vous ai manqué et j'espère que vous appréciez le nouveau fond fait par les graphistes de Millennium. Merci à eux, ils ont fait vraiment du gros boulot pour l'instant avec les vidéos, avec ce fond-là, avec des overlays in-game qui arrivent, plein de surprises pour vous, juste pour les viewers. Donc j'espère que vous aimez bien tout ça. En tout cas, moi, ça me fait bien plaisir de voir qu'il y a du gros boulot derrière cette TV qui est en train de se faire, encore plein de nouveautés qui arrivent. Donc n'hésitez pas non plus aussi à regarder le tournoi francophone qui est un franc succès pour l'instant. Les dernières qualifs ont lieu aujourd'hui à 20h, je pense. Alors, il n'y aura pas de ruée vers les lots aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il y a eu le nouveau système. On s'y attendait pas, Dogby et moi. On s'y attendait pas, il y a eu le nouveau système des lots qui a eu lieu ce soir, enfin hier soir. Du coup, on n'aura pas le temps de les monter à 2K, mais on va peut-être continuer à duo. Je crois que j'ai fini à 1875 Elo, un truc comme ça. Un truc du style. Enfin voilà. Et vous voyez que je ne suis pas encore challenger. Donc en fait, il n'y a pas encore de challenger du tout. Il faut d'abord les matchs de placement. Voilà, vous voyez que là, j'ai fait juste une game. En fait, juste avant de reprendre le stream, là, pendant qu'Ogar était en stream, j'ai fait une game. D'ailleurs, j'étais contre Reckless en lane. Et on a win. Et maintenant on gagne des points. Il faut 100 points pour pouvoir faire le BO 3 pour que je monte. Ah non, je suis en division 1. Donc je monterai Diamond si je fais un BO 5 dès que j'ai 100 points et que je win le BO 5. Vous voyez que tout le monde, tous les gros joueurs se retrouvent ici. Voilà, il y a Ocelot par exemple, il y a Jimbo que vous connaissez aussi. Maluno des Curse, Laya ici. Donc c'est. En fait, tout le monde s'est retrouvé Platine division 1. Donc il n'y a pas directement de Challenger, il n'y a pas directement de Diamond. Donc je crois que je suis dans la même division que Dwagby. Donc c'est une sorte de reset en fait. Moi je suis pas hyper content qu'il y ait eu un reset parce que je trouve pas. Enfin je vois pas trop l'intérêt de refaire un reset alors qu'il y avait déjà le début de la saison 3. Donc là va nous y avoir des petits matchs encore placement entre guillemets mais qui n'ont pas lieu d'être parce que je tombe quand même avec les mêmes gens. C'est trop bizarre. Je rappelle aussi que la ruée vers les lots, on mettra le dernier épisode, en tout cas du mode Elo, après les streams. Je suis avec des gens que je ne connais, mais absolument pas. Non, absolument pas. Alors, j'ai regardé déjà puisque j'ai quelques queries. Est-ce que vous allez faire un duo avec Dwagby? Non, pas aujourd'hui parce que je suis pas dispo 4h et lui non plus. Et puis, il y a eu ce reset donc j'avais envie de jouer sur mon main. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de la ladder pro à 2K3 donc j'avais envie. Qu'est-ce que j'ai mangé ce midi? J'ai mangé des fish sticks avec de la purée et du ketchup. Est-ce que je pourrais jouer une Vayne? J'aime vraiment bien Vayne après vu que je suis deuxième pick. J'ai pas envie de la pick, on va me counter pick sinon. Je vais voir, là je crois que je vais jouer AD, hein, me mettre bien en jambe avec peut-être une Kate, hein, tranquille. Et puis après je partirai peut-être sur autre chose. Tiens, il y a eu la refonte d'Annie. J'aimerais bien voir ce qu'elle donne in-game. I'm on the case. Voilà, on a un stun lock. Il faut que je revoie un peu mes masteries. J'ai tendance à prendre de la régène mana maintenant beaucoup sur mes AD. Que ce soit en masteries ou en rune, je prends toujours un petit peu de régène mana. Ça aide tellement à la tenue de lane. On a beaucoup besoin de mana, surtout que je joue Kayte et Ez qui sont des vraiment manavores comme carry AD. Dire ce que tu penses de Draven, très très bon carry AD. Osan des Dragonborn, il joue que Draven quasiment. Il est duo Q. Ok. J'ai cru qu'il voulait bot. Heureusement, ils veulent pas bot. Donc, très bon carry AD. Après moi, il faudrait que je le train. J'ai dit que je devais train Draven et Varus aussi. Il faut que je le train. Qui counter pick Vayne, des gros bursts en early. Donc par exemple contre une Vayne, si t'as un Taric Grave, ça va t'emmerder.
Sinon, même un Kate Nunu, ça va t'emmerder avec la portée. Sinon, tu as un Ezzona qui va aussi t'emmerder. Donc, il y a beaucoup de choses qui embêtent vraiment Vayne. Mais là, par exemple, si j'avais vu la hache en face, que j'avais été en bas, j'aurais fait OK, je veux bien prendre une Vayne contre une hache, pas de souci. N'oubliez pas que Nunu a été nerf, donc son buff fait moins d'attaque speed, il dure moins longtemps et il fait moins de vitesse de déplacement aussi. Après, à mon avis, il est toujours utile, c'est juste qu'avant il était très très bon puisque ça donnait un free danseur fantôme à un carry AD, ce qui est énorme. Est-ce que tu aimes bien le nouveau système d'Elo? Ben, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Après, voilà, ils veulent apporter des nouveautés, donc c'est pour que tout le monde soit classé entre guillemets. Et qu'il n'y ait pas juste le top, les 2K2 qui soient contents d'être diamants. Donc à mon avis, ça a quand même une utilité. Mais bon, vu que là, je me vois avec un peu tous les élos, puisqu'il y a Taz, par exemple, qui m'a dit voilà qu'il était à 2050 plus ou moins, et qu'il est dans ma ligue. Donc voilà, il y a quand même une grosse différence d'élos. Après, je pense pas que le matchmaking change. Donc finalement, ça change pas grand-chose, hein. Puis faut se dire, le Elo, ça sert pas à grand chose non plus, à part peut-être à trouver une équipe et prouver que tu vaux le coup. Oui, j'ai lu le patch note. Et j'ai même lu enfin, j'ai même regardé le Summoner Showcase. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille vraiment de regarder le. Oh merde, il y a beaucoup de CC là. Qu'est-ce qu'on a ici? Non. On est purple side. Oh, j'hésite quoi. J'aime pas la cleanse. Allez. Donc ouais, je disais, pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous conseille vraiment de regarder le truc avec les Lego. Il est vraiment awesome quoi. Vraiment awesome quoi. Le mec, il s'est donné quoi. Oh, Grulume, 7K. Plaint. Bon, toujours les mêmes, hein. Pour me donner des conseils pour bien jouer Jace, STP, Stuff Mastery, je te conseille de demander à Dwagby. Après, moi, quand je le joue, j'aime bien faire l'alarme, stack l'alarme, l'améliorer évidemment en Muramana. À côté, je fais un Bruta qui va s'améliorer en Black Cleaver, et puis un Soif de sang. Quand tu build Cannon AD, bah, pareil qu'un autre AD, hein, vraiment. Moi, je le builderais comme une Kate, hein, donc après, t'auras même pas besoin de régène mana, c'est ça l'avantage. Donc là, t'as vu que j'ai pris un peu de régène mana, mais t'en as même pas besoin avec Cannon. Tu prends une BT, tu prends de l'attaque speed très important sur Cannon AD, puisque il faut que ces trucs de foudre proc pour pouvoir utiliser le stun. Et après, ça reste comme un AD normal. Pourquoi tu n'as pas le skin Kayle policier? J'ai déjà deux skins de Kayle, ce qui est assez énorme vu que j'ai tendance à pas trop trop dépenser moi de l'argent dans le jeu. Et vu que je l'ai reçu en gift. Parce que le skin de Kayle de base est vraiment dégueulasse quoi. Avec son chapeau vraiment horrible. Enfin, moi je le trouve vraiment dégueulasse. Yo Grulume. Je ping pour dire qu'il y avait H pour ceux qui n'ont pas vu. Comme ça, il y a Blitz. Allez, va par là, va par là. Ok. Normalement, si Blitz se met là où il y a Anivia, il est moins de faire un big grab. Surtout s'il y était maintenant. Ah, oh, je le savais. Oh, c'est dégueulasse ça. Si c'était mis là où il y avait Anivia, je sais pas si on avait le kill. Je pense que oui, parce qu'il aurait grab, il y aurait eu le stun d'Anivia, il y aurait eu mon trap, il n'aurait pas pu flash à mon avis avant qu'on le kill. Enfin, c'est pas grave, tant pis. Pourquoi tu bug toi? Il y a ma souris qui bug là. Je sais pas si vous voyez, une espèce de ligne à la place de ma souris, j'ai parfois ça, c'est horrible. Il faut que ça se remette. Pour les CS, c'est vraiment horrible. Allez, remets-toi! Voilà. Il suffisait de le demander.
j'ai vu Hush. C'est bon. Parfois faire très attention à ce buisson, hein, je le dis souvent, mais bon, j'ai raté un creep du coup, vu qu'il y a eu un peu de retard. Il a pas mal de ward le Blitz. Je crois qu'ils ont fait les golems, donc il va falloir catch cette expérience. Il n'y a plus de flash sur l'Alistar. Attention, il y a level 2 là, on n'est jamais à l'abri d'un combo. Allez, il devrait tenter. Même lui. Même un... Bon, Alistar, c'est vrai que ça contre bien Blitz, mais après, si on se met pas en boule... En plus, il a pas pris le combo, là, vu qu'il a mis le heal. Mais je crois qu'il a pas compris le Blitz. Non, t'as été tout phare. Non, il a pas wardé, il a pas grave. My god. No ward, sorry. Bon, cette vague va pas aller s'écraser, donc je vais back malheureusement, pas trop le choix. Comme on me le dit souvent en stream, le souci de jouer carry AD, c'est évidemment qu'on joue en duo lane, donc on sait jamais avec qui on est. Pareil quand on joue support, on est en duo lane, on sait jamais avec quel carry AD on va tomber. Oh là là, il rate même ce CS là. Il rate deux CS. On est mal là. On est mal contre une hache, c'est pas malheureux ça. Où est mon attaque speed? Il faudrait les maintenir sous la tour. Après, j'espère que on va être cool quand TF sera level 6. Le problème d'Alistar aussi, c'est qu'on peut pas trop aller sous la tour. En plus, il y a TF qui doit être 5 là. Non, il est 4. Alistar en face de moi, c'est Dragon, donc celui qui était en haut de la ladder au tout début de la S3, que vous vous rappelez pas. Notre idée. Ah, dommage. C'était une bonne occasion de grab ça, mais bon. Évidemment. Ça grabe pas toujours. Il joue le late game lui, donc faudrait le kill. Flash sur lui, donc il n'y a pas de souci. Ok, ils veulent me combo. Time for a shakedown. Investigate.
I love a good chase. Who doesn't like being under the gun? Une autre jungler, encore une autre jungler de la game. Et il faudrait mettre un peu de pression parce que elle a vraiment acheté des items late game et le problème c'est que Blitz a pas encore réussi un seul grab. Meltev doit être level 6 donc fais attention à toi. Vu qu'on est level 5 il doit être 6. Bon il back. Il back aussi alors. Allez, c'est le 15 là. Non. Okay. Pourtant, Anivia avait le blue. En soit. Il y a du Tef qui peut décaler, il y a du Darius qui doit avoir les mobilités, en tout cas soon. Bon, il les a pas encore, next back. Il y a du Alistar, donc j'ai pris évidemment un peu de vitesse de déplacement pour éviter de me faire kill. Ça, avec la clean, ça devrait passer. Hot on the trail. Let's investigate. My God. J'ai tellement pas de dégâts. Why? Ouf. Tenter de grab comme ça, c'est chaud. Hein. Il grab, il y a un combo d'Alistar, on se prend une flèche. GG. Bizarre ce grab. Heureusement qu'il a pas touché cette fois. On va laisser push. Hein. Hot on the trail. La seule solution serait vraiment qu'il y ait un grab qui passe sur H, mais je suis pas très confiant. On n'a pas encore eu de gank de Xin depuis le tout début. Donc je suis en train de ping comme un bourrin pour lui dire de venir parce qu'ils vont d'office tenter l'agression bientôt. Allez, tente le grab! Ça c'est bien, voilà. Parfait, ils sont claqués, la flèche pas encore claquée, donc encore ma clip. Le TP qui a été annulé parce qu'Anivia a stun. Oh. An ally has been slain. Je crois qu'on pourrait effectivement faire le Drake. Donc moi je vais mettre un coup de pression parce que je pense que le Drake est pas ward. Bon, c'est parfait. Worsit. Même si un kill top, quand on récupère le Drake après, c'est pas worth it de kill top. Donc faut faire très attention au spawn du Drake. Et surtout si le Drake est ward, alors c'est possible. Hein. Si Ali avait posé une pink, on aurait peut-être pas osé le faire. Ou alors il y aurait eu un steal possible. Là il y avait zéro ward et ils ont été kill top, donc c'était free Drake pour nous. J'ai même pas dû aller aider. Donc parfait. Il y a combien d'élo le bleed, je sais pas. Jamais vu monsieur Macho. Jamais vu.
Alors que d'habitude, on se connaît tous, j'ai envie de dire, mais là... Vulm, je le connais, hein, c'est pas un Cariade énorme. Hein. C'est un jungler. Il était 2k5 en S2, je me rappelle, j'ai joué un peu avec lui. Mais pour avoir le diamant, justement. Donc j'ai toujours la cleanse. Hein. Je sais pas s'ils savent que je l'ai encore. Il joue fort fort late game là. J'ai trop peur de ce blitz quoi. Oh my god. Bon, j'ai plus de creep que lui, mais vu qu'il a la blade, il est bien. Allez, vas-y, tente! Allez, tente! Oh my god! Oh là là, c'est dégueulasse quoi. C'est vraiment moche ça. Il pousse donc je reste. Why? Oh non, tellement pas de dégâts. Je déteste rater le gros creep, ça me rend fou. Je crois qu'il va back. Est-ce qu'il va back? Non. Il sait qu'il raterait des creeps s'il back, donc il back pas. Ouais, pas la meilleure idée de grab un Alistar, mais bon. Effectivement, TFP ult, il n'y a pas de ward au mid, donc à mon avis il va venir au bot après cette vague, voire maintenant. Ouais, j'ai vraiment peur du TF là. Sans gold pour la BF. Qu'est-ce qu'il fait le Blitz? Mets-toi avec moi. Moi je pourrais mettre un peu, voilà. Je pourrais mettre un peu de pression à moi. Voilà, il y a le TF qui est sur nous. Très statique en bot lane, c'est rare que ce soit autant statique, surtout avec un TF et des junglers aussi agressifs que Darius et Xin. Ah non, c'est bon. On met le trap là. Un TP. Oh non, j'y attendais. Enfin, je m'y attendais, pardon. J'y attendais, je sais pas. On n'aurait pas parti. Ça les a tellement bait ce truc. Ça c'est un très très beau déplacement de notre équipe. Sérieux? Ok, c'était soit moi soit Xin. J'ai cru qu'il allait choose Xin quoi, mais my bad.
excuse, était sur la page d'accueil tout à l'heure, il était contre Fnatic Reckless. Ouais, bah ça arrive. Malheureusement, ça arrive pas souvent en stream. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, peut-être que vous aurez l'occasion de voir une game comme ça. En tout cas, très bien joué hein, de la part de l'équipe. Ils ont suivi le... Bon, après, je me suis tout pris dans la tête, donc il n'y avait plus rien. C'est ça, ça qui était tant mieux. Il n'y avait plus de CD sur Alistar, il n'y avait plus de flèche dash et plus de cartes sur TF. Donc ce court timing a permis de faire un truc sympa avec Anivia. Vas-y, tente. Ok, il se speed pas, tant pis, Je sais pas ce qu'il fait ce blitz. J'ai l'impression qu'il a même pas de bot. Il a pas de bot, d'accord. Donc j'aurais peut-être pas aidé à la prochaine partie. Sûr d'avoir une solo lane. Par contre, je critique mon blitz, mais la Nivea et le Xin font du bon boulot, même si le Xin il est pas venu, il a fait des très bons cold breaks. Je sais pas quel stat il a, mais voilà, 3-0-5, j'ai l'impression qu'il a bien fait la game au mid et au top. Moi j'ai eu 3 assists là, donc je dois juste continuer à farmer. Quoi. Un très bon déplacement là encore, rien à dire. Après ils ont wardé, donc je reste dans les environs au cas où il y a une fight. Ils prennent leur aide tranquille. Ils n'ont pas besoin de moi. Je crois qu'ils peuvent carrément move sur le bot là. Il y a le flash qui était craqué, mais il die, je crois. Je m'attendais pas à ce qu'il m'attaque là. Non, mais il die même pas. Good job. Oh, good job du TF là, très bon. Très bon truc. My bad hein, d'avoir été si loin. J'aurais dû regarder le timing de ma clean et de mon flash, j'avais aucun des deux. Elle a 7k qui s'est donné, what? Oh, il y a des jets dans cette partie, c'est magique. Genre ça, mais c'est tellement le jet quoi. Heureusement qu'il avait sa barrière. Voilà. C'est super moche ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant où il y a des jets de tout le monde. Léon qui se fait complètement défoncer alors qu'il a Shogat et il a plein de PV. Oui, pour ceux qui me demandent, je suis 7ème de la ligue actuellement. Hein. Enfin, quand j'ai été placé, j'étais 9ème je crois. Au tout début. Un truc comme ça. Oh le crit. Ah c'est moche. Je m'en veux quand je fais ce genre de truc, my god. Y'a pas d'arrow. Y'a pas d'arrow. Allez, allez, vas-y, vas-y. Il est où le grab? Oh, il aurait dû y aller direct tant que l'arrow était en reload, quoi. Évidemment qu'elle l'a craqué quand ça a été rechargé. Mais bon, c'est vrai que c'était très ballsy d'aller si loin. Donc je vais pas lui en vouloir. C'était vraiment très très ballsy. Et pas nécessaire. Mais bon, c'est la solo queue, donc on se permet de faire des moves ballsy. Même pas la tour, est-ce qu'il y a un grab qui va passer? Oh là là, il n'y a aucun grab qui passe, c'est vraiment vraiment triste. Même pas besoin de craquer mon ult là-dessus. Hop. Ah bah j'ai un kill, tant mieux. J'avais pas encore eu de kill donc je laquais un peu gold, mais vu que j'ai du bon farm là. Nice! J'ai pas besoin d'ultime.
pourquoi c'est Anivia qui tank ce genre de truc. Je comprends pas les aggro des tours parfois. Très bon déplacement ça, encore. Je crois qu'on peut même continuer, on a Anivia, on a Lux, c'est vraiment du poke avec Kayt en plus. Du bon poke. Ils ont pas vraiment de sustain, enfin s'ils ont Alistar, je sais pas si la max c'est heal. Nice! On peut rester hein. Je dodge ça. Oh, elle est où la vision? Je mets l'attaque donc j'ai l'aggro malheureusement. Je vais faire mon body là. Oh, j'aurais dû choper Lali. Not enough damage. Il va rester groupé. Ah non, non, oh my bad. J'ai oublié qu'on avait deux AP. Hein. Mmh. Ah, c'est tellement fort, Xin. Bon, mais je vais aller des push top en espérant qu'ils se suicident pas. Là, s'ils les ont pas, c'est chaud. Voilà, c'est bon, il back. Il y a le Drake. Il y a Shogat qui a pas de TP, donc c'est tranquille. En plus, il y a TF qui back, là, on le voit. Il a dû se prendre mon trap. Donc, vraiment free Drake. Hein. Là, il nous laisse tous les Drake, je sais pas pourquoi. C'est vraiment ça qui nous a fait prendre l'avantage quoi. Xin qui colle des Drake, voilà, on a eu 3 Drake. Le mec il grab le Shogat. J'étais tellement prêt là. Il va faire ça. Ah. Il die. Peut-être que même... Oh, j'allais dire peut-être. Wouh. Il va pas manger. Voilà, double kill. J'ai même pas dû claquer ma clean. J'hésitais sur le stun de TF, je savais qu'il me tuait pas. Et finalement j'ai claqué mon flash. Parce qu'il pouvait manger l'autre. Alors là c'est le moment où il faut analyser s'ils ont de l'armure ou pas. Pas d'armure, pas d'armure, rien du tout. Même le Shogat il a pas d'armure donc IDC. Je vais partir déjà sur un peu de vie. Je pensais qu'on faisait Nash à mon avis. C'est quoi le concept des dodges? J'ai pas compris, c'est un peu mieux.
Il y a des pénalités sur les dodges, quoi, un truc comme ça. De toute façon, moi je dodgeais jamais, donc tant mieux, mais. J'avoue que j'ai pas vraiment regardé les concepts de la nouvelle ligue, j'ai vraiment cru que j'allais être challenger direct, mais il y a encore des matchs de placement. Oh, vas-y! What? Mais lui il est mort, hein. Pourquoi il a gardé ça? Ah! Il veut trop me mettre la carte, cette carte. Après, j'ai mis les 1 à 1 PV. Lui, il va venir. Heureusement, j'ai réussi à faire mon E avant. Pourquoi tu grabes lui? Pourquoi? Ouais, j'ai mis 2 hits à 7K, quoi. Il suffit de le grab. Plutôt bien, là. Ah, il aurait même plus le rush là. Fais pas le combo parce que je suis low mana. Donc je mets pas de Q histoire de pouvoir refaire des spells. Par contre, un trap ici c'est toujours intéressant. Oh, il est ouf! Oh, il est ouf! Oh my god. Même s'il m'avait stun moi, j'allais... Enfin, je sais pas. Parce qu'il a tenté. Allez, love. Ah, close. Content de refaire un peu de ladder pro. C'est vrai que la ruée vers l'îlot c'était chouette, mais malheureusement on n'a pas encore eu le temps de vraiment. Enfin, on était presque un K9 à la fin, donc ça commence à devenir des games intéressantes, mais. Quand même cool de faire un peu de ladder pro. Moi j'aimerais bien prendre le raid. Il y a quoi? Ah, j'ai pas regardé ses boots, my bad. Mobility. Ah! Oh, il se prend pas mon trap. Même sur ma dos. Vas-y, mets les 3 coups, je le pète. That bait pour le faire le baron, my god. C'est bon. Enfin, c'est pas sûr que c'est bon. Ah, mais non, c'est sûr que c'est bon. Tu l'as. Et non. Je prends même le raid au passage. Oh, c'est tellement chouette de jouer Kariade. Il suffit de brain un peu les deux fils que Shogat et Darius allaient tenter ce genre de truc. J'ai même pas dû claquer mon flash et ma cleanse. Oh, that arrow. Nice. C'est Shogat, je mets quand même un demi de dégâts. Faudrait que je fasse la Runic Blade hein, quand il y a du temps qui est comme ça. Bien joué. Mais il est ouf cette carte! Je crois qu'il a abandonné. C'était mon kill!
Gogby qui m'a trollé pendant que je disais que ça me manquait pas la ruée vers les lots. Non, j'ai pas dit ça, j'aimais bien la ruée vers les lots, c'est juste que ça faisait longtemps que j'ai plus fait de la de repos. Hein. Tu as dit toi-même. Ah, j'aurais dû cliquer plus tôt, je pensais vraiment pas qu'il nous killait. Bon, double kill du coup. On a tenu longtemps là en trollant comme des barakis là sur le Nexus. Il dit de bac quoi. Right. Comme quoi Ash, hein, il a bien joué en lane mais malheureusement. Toujours pas aussi utile que les bons carriadés en early. Pourtant, une flèche ça peut tellement faire la différence, mais là vu que c'est build HP win games en ce moment, mais si une flèche moi je cleanse, si flèche Xin, étant donné que c'est toujours lui qui est devant et qu'il a plein d'HP, il le one shot pas et c'est limite avantageux pour nous. Et puis bah, Nidia peut tout faire avec son wall et tout. Ça se base vraiment sur le one shot de quelqu'un, mais regardez, mais moi j'ai la Warmog, même si elle me flèche, c'est pas sûr que je meurs. Ouais, j'ai zéro summoners. Donc. Allez, pourquoi t'as pas tenté? Non, il m'a tellement envie de donner de jouer Ash, quoi. C'est bon, il y a une flèche qui part sur Lux là. Ouais, enfin, il grappe toujours le Cho'Gath. Oh, le jet. Voilà, on va quand même détruire les mines pour être sûr. Hein. Ah, j'ai tellement failli le brain là. He got owned. Oh, j'étais en mode tension 250 là. Ça fait la deuxième fois qu'il me fait un flash grab. Heureusement que j'ai eu le réflexe d'utiliser mon E, sinon j'avais tellement plus de tête là. Allez, bon, fais-toi tuer. Donc. Stop do shit alone, le mec qui vient de TP en bas pour aider une Lux qui était toute seule. Oh god. C'est tellement bien la solo queue. Wow.
Wanna see a hat trick? I have the tools for the job. Oh, Lucus Dare, Lucus Dare! Il a plus de flash, il a plus de flash. My blue. Don't be caught on that foot. Sérieux? Oh là là, c'est laissé. Tout ça pour sauver le Xin. Il va être une ward. Voilà. Ok guys. Non mais sérieux? Arrêtez de jeter cette game. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et 2 hits sur 7k, comme ça il doit backer. Oh, il est pas protégé. Oh, c'est beau ça. J'ai vraiment pas eu. J'ai vraiment pas cru que j'allais pouvoir. Ah! Viens ici. Je me suis vraiment dit que quelqu'un allait le protéger. Il était tout seul dans son petit coin, le pauvre. Lui d'abord. J'aime pas. GG. Victory. Voili voilou pour cette première game. Alors, League Info Processing. Donc, je sais pas combien de LP j'ai gagné, je sais pas quoi. Je sais que la game que j'avais faite contre Ekles, j'avais pas vu les points ici, mais si on va voir ici, je crois qu'on voit les points. 10 points. Je sais que j'en avais gagné 8 avant. Est-ce que c'est la dernière game? Je vais aller voir League. Ça veut dire quoi ça, 10 points? J'avais 8 points avant, là j'ai 10 points. J'ai gagné que 2 points en plus. Sérieux? C'est chaud ça. Enfin soit je vous laisse sur une petite page de pub si quelqu'un a une explication à ça, parce que j'étais à 8, là je suis à 10. S'il en faut 100 et que je gagne 2 points à chaque fois, ça va être vraiment chaud quoi. Weekend, il n'a pas encore joué lui. En plus on voit même pas le nombre de games qu'on a fait, je comprends rien à ce truc là. Allez, je voulais sur une petite page de pub s'il y a des gens qui peuvent m'expliquer tout ça. Allez-y sur l'IRC, je vais lire pendant la page de pub et je reviens.
Re-re-tous, alors il y a beaucoup de réponses différentes, donc je pense que personne est vraiment juste. Donc il y a quelqu'un qui vient de me whisper que apparemment plus on est haut dans la ligue, moins on gagne de points. Donc là en estimant que voilà, parce que j'ai joué tôt et que les gens n'ont pas encore joué ici, de là à ce que je gagne 2 points, c'est quand même chaud quoi, c'est vraiment chaud. Pourtant j'étais avec des gens qui sont dans ma ligue et j'ai fait que un match, donc c'est pas comme s'il y avait beaucoup de différence de points, ni d'élo, puisque tous les gens qui étaient en face de moi je les connais et je joue parfois avec eux. Enfin soit. Vraiment je vais attendre 2-3 jours, faire quelques matchs, essayer de comprendre tout ça parce que c'est chaud. Et merci à ceux qui suivent mon Facebook, donc si vous souhaitez me suivre, n'hésitez pas à join mon Facebook, facebook.com/lolsqueeze. Vous aurez toutes les news là-dessus. Alors, t'as pas dit que t'étais à Louvain-la-Neuve, parce que j'y vais en semestre académique dans 6 mois. Oui, je suis à Louvain-la-Neuve, étudiant en ingénieur de gestion, premier master actuellement. Alors, tu penses quoi de ce héros? Très bon, effet de surprise garanti, même contre les pro teams et tout, son fufu reste très utile, mais squishy as fuck, faut faire très attention avec ce champion. Est-ce que ça marche pour les duo Q, le nouveau système? Oui, ça marche pour les duo Q. Que penses-tu du nerf de Olaf? Bien mérité, j'attendais enfin ce nerf, surtout que moi jouant à des carry, Olaf c'est vraiment une plaie, mais en plus quand il est OP c'est triple plaie. Ah bah je suis avec Narcus, Eruscu, deux junglers, donc ça c'est chouette. Sur la ligue, c'est good car tu peux pas dire que tu montes pas car tu joues qu'avec des noobs. Parce que si c'est vrai, tu es censé être premier de ta ligue si tu es pas un noob toi aussi. Ah ouais, pas mal. Pas mal comme point de vue. Qu'est-ce que tu penses du nouveau prix de l'IE? Quoi, l'IE a changé de prix? Woot! J'allais voir ça. Même pas fait gaffe là dans ma game. Pourtant, en tout cas, les items pour la faire ont pas changé de prix. Je crois qu'elle est à 675 ou alors je dis n'importe quoi. Alors, patch note, objet. Soif de sang, coût de combinaison de 650 à 850. Ça, d'accord. Mais je vois pas de truc sur l'IA, donc tu devais dire soif de sang, maybe. Je suis d'accord avec l'augmentation du coût de combinaison. Il coûtait rien du tout pour un objet qui était bien, donc il peut être fait un peu trop rapidement en early. Fiddle avec Vayne, j'y crois pas trop. J'ai tellement envie de jouer Vayne là. Let us hunt those who have fallen to darkness. Oh, those balls. Là par contre, ça c'est bien. J'aime bien avoir de l'AMS sur elle, mais elle en a deux fils. Ouais, je vais laisser comme ça. Oh la race qu'ils ont, heureusement qu'on est blue side. Ah, t'es premier de ta ligue. Ouais, mais c'est sans doute parce que j'ai joué. Ben, j'ai fait deux games hein, depuis le patch, donc. Ah, est-ce que vous voulez entendre la belle voix de Narcus sur TS ou pas? Si oui, je veux bien aller sur TS avec lui. Ce troll.
peux me dire comment stuff Darius mid? Alors Darius, je le vois pas jouer mid, je le vois jouer en jungle, je le vois jouer en top, et il faut être stuff tanky avec la Sunfire, la Warmog, le Randuin, tout ça. J'ai gagné mes 3 parties de ligue, je suis monté à 30 points. J'ai eu le malheur de perdre une game, je suis descendu à 11. Ouais, je comprends vraiment pas, hein, actuellement. Enfin, soit. On comprendra sans doute dans la semaine qui vient, tout le monde est en mode découverte et OETF. Faut attendre. Oh, Yamato Canon, ça fait longtemps que j'ai plus vu lui. Y a une luxe. Ouais, je vais garder ça. Allez, vous voulez entendre la belle voix d'Arcus? Je savais que vous diriez oui. Connected. Hop. Où est mon chan? Channel switched. Là, je vous mets déjà ça, moi. Tellement de choses à faire. Alors, Acer Amazing, Instinct Deckers et des gens que je connais pas. C'est trop bizarre le matchmaking. Yo. Yo man, t'avais envie de passer en stream à vous. À vous. Ouais, c'est ça. Je savais même pas que tu streamais en plus. Oh, ça, tu Ah, me putain, trolles bien c'est... là. Tu me trolles bien. On est sur Millennium TV. Donc, Ah merde, j'ai pas le droit de fail alors. tu peux pas dire allez, j'ai su quoi. Juste ça. Ah bon? Mais ça va, je suis passé TCM donc... Ouais, j'ai vu, j'ai vu. D'ailleurs, Pas le good droit de job dire hein, allez. pour ça. Good job. Ah, c'est cool. Je connais pas mon fiddle TP. Si, j'ai entendu parler de ça, j'ai envie de voir. Moi, j'avais envie de jouer Vayne, après, c'est un peu Bah du en fait, troll, ouais. Un peu. mais. Non, mais j'aime bien. Tu sais, tu fais botte de mobilité là qui te font courir super vite. Enfin, tu TP sur la map ulti, c'est marrant. Donc ça m'amuse. Sur Fiddle? Ouais, mais je sais. T'es un joueur de Fiddle, toi, t'es connu en tant que Fiddle, quoi. Ouais, mais en jungle, pas trop en support, tu vois. Mais sachez bien. Pourquoi t'as pas de jungle? T'es first pick, t'aurais pu jungle. Je suis pas assez risqué, il me dit. Mais là, je suis déprime là, avec le nouveau classement où je troll. Mais moi aussi je déprime. Je sais pas ce qui Non, s'est passé. Je m'attendais à ce qu'on soit Challenger et puis je vois Platinum, je fais Hein, il n'y what? a pas de challenger. Hein. Ouais, il y a pas Je... encore. Là, on est Oh, mince. dans la meilleure ligue mais on est Platinum donc il y a pas encore de diamant, il y a pas encore de Challenger, faut le temps de monter. À mon avis, pour ça, il faut faire énormément de games. Parce que j'ai fait 2 wins, j'ai gagné 8 points la première et là je viens de gagner 2 points quoi. Alors Ouais, qu'il faut mais 100 points, c'est chaud quoi. j'ai deux loses donc. Ouais, comment je peux start avec Fiddle? Je t'avoue que Fiddle avec TP en bot lane, je Ah te oui, fais tu vas vraiment en pas chier un peu. confiance là. Ouais, je vais en Là, tu vas chier en quoi. chier. Non, Déjà que j'ai Vayne, tu m'as trollé à mort. non, mais... Welcome to Summoner's Rift. Y'a The Mazimov. En shadows are plus, ils ont une bonne concealed. team. Ouais, ils ont des bons joueurs aussi. C'est amazing, c'est le type, il tryhard, il joue que jungler quoi. Il est pas comme toi, il va pas jouer Fiddle support, tu vois. Non, mais bah avant sur mon compte, je faisais. Je tryhardais, mais là, en ce moment, je sais pas. Là, on se fait au cul et. Vayne, tout 30 seul. seconds until minions Ouais, spawn. t'es Monsieur Ward, quoi. Genre, le mec, Ah il a ouais, zéro item utile, toi. Je t'attends. Si on fait pas les golems, on a perdu, je pense. Il faut Ah ouais, qu'on. ni les golems. Vas-y, back maintenant, sinon on les a pas. Maintenant, Non, genre. mais à pied. Ah, ok, allez. Go Vite face fait faire check. des. Ouais, quelques petits fake check. Je vois pas où est le Oh, le problème. troll. Non, je crois en Dieu. Minions have Plus avec spawned. les corbeaux, tu vas voir, les golems, tu les fais en 2 secondes. Non, Mais tu vas me tanker tout ça, je crois. On a non, tous les deux mais 2 les golems. PV. Mais Ok. non, regarde, regarde. Ouais, je Les regarde. golems, t'as juste à mettre une attaque. Normalement. Ah bah non. Ah, ok, je pouvais même pas attaquer le petit. Mais ouais, non, Ah, c'est. je savais pas, je savais pas. Putain, c'est sympa. Ah, c'est pour ça que je joue en. Ah Ah, oh c'est bon. là! Oh, il m'a Ah, mais je te trollé. taxe.
Non, non, il y a une taxe. Ouais, tu m'as taxé les doubles, mon vieux. J'ai eu zéro. Ouais, non, j'avoue. Bah, je pensais que c'est... En bas de là, il y a une sonnaise. Ouais. Sona SB. Je propose de push, vu que t'as plein de wards. J'ai envie d'avoir de l'XP d'avance. Oula. Allez hop, on va se faire agresser à partir de maintenant. Non, regarde. Ah non, mais je sais que Fiddle support, c'est bien. Après, Fiddle... support joué par un jungler et avec téléport, tu t'es free tout. Il me faudra peut-être mon level 2 pour que j'aille chier à mieux. Si tu mets un corbeau là. Bon, triple corbeau. Je crois qu'au level 2, il y a moins de faire quelque chose. Claque une pote. On les tue. Moi c'est mon main fiddle, je me déglingo. Ouais, j'ai le... Vas-y quand tu veux hein, sur la sonne. Elle est morte, elle. Allez, tu parles à qui? OP! Oh, that duo, mon vieux. On devrait tout le temps faire ce duo, quoi. Vayne Fiddle, ah, new duo. Go le dive, hein. Non, ça, j'y crois pas trop. Si, 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 push, t'inquiète. Ah non, mais je vais push, après. On tient au corbeau, c'est bien, ça. Bim. Comment il se prend du Friara, c'est quoi, ce joueur? In the dark, all this is... Il est mort. Sérieux? Ah, je vais mourir. Oh, putain, ça. Crois en Dieu. Je crois en Dieu, je le savais, ça. Ah, la cleanse! Allez, regarde, je le tue derrière. Oh, la cleanse! C'est tellement bien. J'arrive. Il est mort, non? Elle va me tuer, là. Je lui mets un fire quand tu veux. Non, vas-y, toi, fais gaffe. Je tank. Oh, le ouf! Tu l'as? Non. Tu l'as pas eu. Elle avait un PV. Oh là là, la luck. Heureusement, c'est pas cette luck. Quand on avait bien joué jusque ça. Ouais. Ouais, ça va, on est bien. Pas quoi faire sur Fiddle. Ah merde, j'ai pas pris de ward. No need. Et puis... Putain, la luck il a eu lui. Je voyais bien la triple. Oh, il va venir m'emmerder. Tu peux racheter une ward ou... Attends, je vais voir où j'en suis niveau de l'argent. Je pense avec 2-0. Ouais, je peux. Ouais, mais j'ai quand même envie d'acheter des trucs intéressants, tu vois. Surtout sur une veine. 5 de gold. Oh, tous ces flashs qui sont partis là. Ah, oh, je peux TP là, mais... Il aurait mis une ward là, si je faisais un triple kill. Surtout qu'ils sont deux, quoi. T'as le skin, hein, c'est OP le skin. Mais tu sais que celui-là en plus, tu vois pas trop quand il fait son outil. Attends, il te recule. Ah ouais, non, bah, je la race. Ouais. C'est qui le jungler? Non, il est pas là. Ah, mais oui, il a claqué son flash. C'est béton. T'as utilisé ton flash, hein? Hein? T'as utilisé ton flash, toi? Non, je l'ai encore. Ok. Oh là là, les full rebonds, ils se prennent. Ouais, max le heal. Hein. Ouais, mal. Alors, mais là d'un côté elle est où? Ouais, mais c'est une occasion, je préfère avoir ma cleanse par contre. Non, fait 20 ans, ouais. Bah attends, moi aussi ça alors. Je suis à moitié, bah toi aussi tu dois être prêt, c'est ça. Je suis un peu moins que toi. C'est de l'XP sous la tourelle. I smell black magics. Je sens bien le Amimu.
Ah non, il est mine. Cleansing blood with silver. Ouais. En fait, vous en êtes où là avec ta team? Vous avez pris Arcagon, non? Ouais, et on va participer au tournoi M, on est équipé invité. Je sais pas si t'es au courant, il y a un tournoi avec certaines équipes francophones qui doivent faire les qualifs. Les qualifs vont être terminés aujourd'hui. Du coup, ce sera bientôt à nous de jouer. Je crois que semaine prochaine on joue. D'ailleurs, pour les viewers, ce sera mis bientôt en ligne tout ça. Je crois que c'est mercredi qu'on jouera avec GSU. Là, si tu veux, on peut y aller. Ouais, mais je suis chaud. Hein. Oh, T6. Tu mets un Fear, je mets un EG. Ouais, mais voilà, maintenant. Il a une cleanse. Oh, juste tuer la Sona, elle a rien. La Sona. Elle veut combien 5 hein. Ouais. Ah, ils viendront pas, tu sais. Ouais, mais... Donc là, s'il s'approche, je peux le tuer en fait. Ouais, vas-y, go push avec moi. Ouais, faut push fiddle, c'est soit j'envoie mes corbeaux, je te ninja tout. L'auto-attaque, et bon. Lui, il perd tout. Je veux lui faire vraiment peur. Ah, Mimi, c'est Mimu, c'est chaud. Il y a Lux qui était là, je viens de l'avoir. Pas en dieu. Non. Là, pas. Ok, c'était une autre mid. Je back. Il te fait semblant de back dans le bush là. Il vient te faire chier, il sait voir. Ouais, ok. Tu viens me faire chier d'instant, toi. Ah, il va venir, il vient. Ouais, mais attends, c'est la suite en fait. Pour la prochaine vague. Oh, elle est là, c'est bon. On est parti voir Dodrick, je crois. Ouais, mais enfin. Oh, oh vas-y, vas-y! Ah non, je peux pas. Il me voit ici. Ah, j'ai trop cru que t'allais la fire. x9, hein. Ouais, non, mais enfin. Oh putain, je peux peut-être TP toi. Vas-y, tu peux TP là, on est bien. Ah, j'ai la stick. Ils sont où tes assists? Regarde, c'est solo. Hein. On wings of night. Bon, dans 290 secondes, il faut que j'ai mes bottes améliorées et que je fasse le combo magique. Là. Ah, si tu peux faire plus de VS, hein. Okay. Ouais, peut-être pas. Non, parce qu'il y a l'ult. Ah, j'ai pas envie qu'ils aient la tour là. Vas-y, go là un peu. Oh, je peux pas te tuer. Vas-y, go. Mais où? C'est la merde, je peux vraiment t'aider, tu sais back. Hein? Ouais, là je pense qu'il y a moyen en fait. Allez mes corbeaux! Allez! Allez! Ah, mais sérieusement? C'est quoi ce jeu? Ah c'est moche! Je suis tellement prêt quoi! C'est quel HP. Allez! Oui, l'échelle. Oh, il l'a pas. Il va faire un play. Let's go! Oh mon dieu, j'ai tellement pissé dans mon froc sur les spells de la Lux qui essaie de me tuer. Not today. J'ai envie de prendre des kills. Bon là je joue avec oh, putain. Je joue avec mes balls depuis le début. Allez les corbeaux. Oui. Ah non. Il y a trop quoi, sérieusement. Parce que je joue en mousse. Suis est dans la ligue de Oslot, Suis est dans la ligue de Oslot et de Wick et de Jimpo. Ouais. Non, on est tous dans la même ligue, hein. Tous ceux qui étaient top, 250, hein. C'est 250 joueurs par ligue, je crois.
Donc normal. Ouais, mais tu sais, il y a des noms avec. Je t'ai pas fait gaffe. Non. Comment ça, des noms? Bah, moi je suis dans la Limnasius. Hein? Il y a des noms, genre t'es diamant 1. Non, platine 1. Tout le monde est platine 1, ouais, là c'est le max. Platine 1. Ouais. Et après, il y a des noms. Enfin, je sais pas, ils ont fait des noms. Où... Genre, moi je suis Nasius. Ouais, moi je suis Malzahar, ouais. C'est quoi le. Je sais pas, c'est. Je pense que c'est en fonction de ça. Où... Tu dois... Je crois que t'es 20 ou 30 par ligne. Et... Bah, quand tu gagnes, tu. Enfin, quand t'es meilleur de ta ligue, tu montres. Enfin, je sais pas. Comme ça, je crois. Ah, vas-y, la sonna là. Ah, ouais. Oh. Sérieux, pas contre le mur. Pourquoi là? Oh, j'ai pas de cleanse, go back. Une de chaîne, mais je peux pas avancer. Non, je vais arrêter de jouer en mode ball, je crois. J'ai acheté une Doran. C'était sous ma tour. Pourquoi là, je lui ai mis 0 à elle? Oh non. Oh non. Oh Dieu. Ah. Oh. Où est mon bac? Oh quoi. Bon, allez, ah, il y a Mimé en plus qui arrive. Ouais. Faut laisser tomber celle-là. The dark should fear me. En plus, c'est une luxe qui va apparaître. Au final, on gagne la game. Ça fait combien? 2-0? Là, je suis en 2-0 depuis le tout début, mais là, on sait plus les kills quoi. Mais la Sona, je lui mets 0, je comprends pas. Ah, je regardais, elle avait 65 armures, ce qui est pas mal pour une Sona. Mais... Ah, faut que je te chope un minion. De toute façon, avec Vayne, tant que je farm, on est bon. Ouais, ouais. Enfin, tant qu'on perd pas en early. Ouais, voilà. Je vais farm que lui. Attends, ouais, je t'en ai volé. Je suis à 28 CS. Ok. Quelques vols. Par contre, j'ai mon ulti, j'ai mon TP, je ferais bien un move. Dans la luxe. Ouais, je sens. Ah non! Beware. Ok. Oh, j'ai volé les 4 quoi. Dissonant. I smell black magics. Oh, il abandonne le mec quoi. Ouais. Oh putain. En sort. Mais... Oh, that tumble. My god. Ah. Oh, quoi, attends, j'ai réussi. Oh. Ça peut tellement brain vein, ça qui est tellement chouette. Peut-être luxe en fait, mais. Bah, ouais, je sais pas, il a son ult. Il a son ult, mec. Ah, ouais, j'ai ma kins, c'est bon. J'ai ma kins. Oh putain. Voir, je crois. Ah, report Narcus. Il m'a demandé. En fait, je voulais te voler du farm, moi. Ouais, je vois, ça a marché. Oh, elle va flash R. Ah non. Pas comme ça, là, j'ai mes bottes. Un peu de gold. Non, je vais te balancer, mec. Ouais, fais gaffe que je te les vole pas. Full plan. Oui. Go die. Quel 36 type, quoi. 36 CS. Le mec. Viens là dans ma game. Non, mais il me le fallait pour mes bottes. Ah, maintenant je cours partout. C'est ça qui est bon. Ce stuff, quoi. Hein? Ce stuff. C'est ça. Là, je vais faire juste. Je sais pas si je fais les mecs, pour il reste go, même pas. J'ai Vayne, il reste jamais bot, quoi. Je fais un stuff comme ça. Et on gagne. C'est ça qui est beau. Mais heureusement qu'on a fait un double au début, puisqu'ils ont ultra fail, quoi. Encore deux creeps qui sautent. Je fais 3. Ah, c'est la chance des corbeaux. Ouais, ouais, la chance. Et aléatoire en fait. J'avoue, moi je suis pas contre hein, laisser quelques creeps à des supports, c'est à la Zira, Fiddle, tout ça. Moi, je trouve ça go. Go, go, go. Et vas-y, toi, moi, je. Ouais, oh là là. Moi je farm. Hein. Oh, je vais prendre un kill encore. Alors, je vois tellement de TP qui arrive là.
Je suis jusqu'à la mort. Ouais. Oui. Oh, je suis. Elle meurt, Sona, là? Ouais. Oh, je vais fuir pendant son ulti. Elle est mal. Je pense que tu peux récupérer une assist. Oh non, why? Oh mon drain. Ouais, je vais fuir après. Là. Non, je j'ai même activé l'ult pour aller plus vite, quoi. Oh là là. Ah, y'a le Drake. Go. Il est où mon assist, quoi? Pas d'assist. Ah, finalement, j'aurais dû push comme un bourre, hein, quoi. Ou alors, t'aurais dû venir dès le début. T'aurais ouais, peut-être j'ai fait entre les deux. Ouais, c'est tout le temps comme ça, en fait. Ouais, vraiment. Laisse-moi tank. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que quand je tryhard dans une jungle et tout, je perds. Quand je prends mon fiddle support, je gagne. Ah, c'est parce que ton carry AD, mon vieux. Qualité, quoi. Ouais, mais tu regardes là, notre chaîne il carry, mid il carry, top il carry. En gros, quand je troll, bah, elle gagne. Plus tu troll, plus tu win. Ouais, j'ai souvent ça aussi. Bah, les gens ils sont pas habitués à ça. Hein. Des fois, moi j'ai pris des chaînes support et des trucs comme ça parce que j'ai pas envie de jouer vraiment support et ça marche parce que les gens sont pas habitués, quoi. Enfin, de là à gagner, enfin, je ouais, non, mais en soi, Fiddle, tu vois, c'est viable. Les gens sont genre, je suis sûr, moi, t'as Sona S là en face, ils étaient pas habitués à Fiddle, ils ont pris deux corbeaux, ils ont fait ah merde, on est mis vis, zut, et voilà, on a pris deux. On essaie de fight au level 1-2, tu te prends trois corbeaux, bon bah, t'es mis knife. Vous avez de 4 contre 5, vous avez de 4 contre 5, il baquait. Vous avez 3 contre 5 même. Justement, c'est ça qui est bon. Tellement envie d'ulti là. J'ai tellement envie d'arriver. J'arrive. Tu vois Instinct là? Ah, bah c'est ça. Sur sa petite. Sur sa petite luxe. Pour qu'il reste comme ça. Tu crois qu'elle va te catch? Quand même obvious. Et go! Merde, y'a plus de. Oh les balls! Non. Pourquoi ils sont pas allés? Je sais pas. Je crois qu'il y a que moi qui ai vu tes balls sur ce style là. Ah non. Valorize il était lourd. Oh, t'as tellement de balls, mec. La tour elle tombe et t'y vas pile quand elle est morte, quoi. Ouais. Bah, je pensais. Bah, en fait, j'ai eu les 5. Le problème, c'est qu'ils ont reculé, quoi. Je pense genre le S là il était mid-life. Ah, j'avoue qu'on était deux, quoi. J'aurais pas dû te suivre, en plus j'étais shot down. Non, ça y est, on leur donne un inhibe. Je vais être mad maintenant. Ouais, on aurait peut-être pas dû. D'accord. On aurait pas dû. Oh. Mais bon, il faut des balls sans solo queue, normal. Bah non, mais je suis pas. C'est pas l'échec le raid, à mon avis, hein, dessus. Ouais, mais j'ai pas trop de vie, je fais le check. Juste mettre une mort. Mais mourir de mort. Ah. Voilà. On l'a elle. Infirme. Est-ce que je récupère le kill? Power of Warding. Ah, j'ai cru à ton corbeau style là, même. Ah, ouais, j'attendais. On a moins plus qu'on zone à choper. T'as quoi comme stuff là? Ah, c'est bien. Ouais, bah, même si. Non, tu vas build full AP, quoi. Ah, juste pour ça. Oh, non, mais qu'est-ce qu'il faut? Il y a trop de fight en 2v5 là. Mais non, mais c'est surtout qu'ils mettent un gars à 5 HP et que. Ils veulent pas tuer les gens. Ils sont là, ils les mettent à 5 HP après, ils font non. Il arrive. Ah, je peux récupérer. C'est chaud. Il y a Lux. Non, rien. Hein? Oh mon drain. Oh la Lux, elle est mad. Je le sens. Ouf, au moins ça, quoi. Après j'y vais tout seul like a boss, quoi. Si on team fight on les instante, quoi. Mais y'a Z qui est encore top. Tellement envie d'ulti avec ses cache-pays. Oh il est sérieux, vas-y. Y'a pas de mobilité, quoi. That brain, j'aime bien ce genre de truc.
pas. Mais il y a Z qui arrive surtout, donc on gagne du temps. Oh là là. Il a 2 PV en plus lui quoi. Ouais. Oula. Non. Oh non. C'est bon, je l'ai pas mis sur le stream, t'as la chance. J'ai juste entendu la cage de luxe quoi, c'est tout. J'avais 3 et mon 4ème il passe pas. C'était tellement simple à esquiver. T'as combien de 5-2 151, c'est. Peut-être si on juste en teamfight à 5, on gagne quoi. Mais c'est ce que je te dis, je suis sûr qu'on win à 5, c'est juste qu'on fait pas de teamfight. Oui, en plus, notre team est vraiment OP quoi. Rise, Shen, enfin tout ce qu'il faut quoi. Oh putain, c'est quoi ce délire? Oh my god! C'est quoi le Zhonya? Oh, tellement fait spotted le pauvre. Ouais, le Zhonya c'est des autres items maintenant. Donc, j'ai envie de l'avoir. Ouais. Oh, il a flash pour avoir le kill, c'est moche quoi. Non, mais là je suis en Mongol, j'ai acheté des trucs d'armure et c'est pas du tout ça quoi. Ah, ouais, du coup. Ok. Bon, ils sont 3, mais ils sont max. Ah, y'a max un type ici, donc je pense qu'on a la tour. Alors. Ah, mais je suis mad là. Oh, y'a l'or bleu. Ah, oh, y'a mon bleu. Fais gaffe, y'a un Mimu. Est-ce qu'il veut. J'ai ma pin, ça fait gaffe. J'ai ma peur, mais... Tu l'as ou pas? Ah non. Corbeau. Il est ward et y'a pas Ez. Y'a pas Ez et pas Rumble. Hein. Ah, je l'ai avec mon corbeau. Oh. Oh ah, fais gaffe. Oh, mais ok. Je l'ai eu. Ah, mais y'a. Y'a Rise aussi. Y'a tous les copains. Oh, pourquoi j'ai pas eu. Oula. That Rise. Ça fait quoi ces nouveaux items? En temps mort, 25 d'ability. Moi to build. J'aimerais bien plus de vitesse d'attaque quoi. Je vais pas t'en donner de la vitesse d'attaque en plus. Ouais, c'est ça le problème. Je vais pas te donner de l'équipe ou de. C'était de l'armure là. De l'armure là. Avec même de l'armure en face quoi. Mais je comprends pas en fait le nouvel item. Mais en gros, c'est pour permettre aux Zhonya de pas être un des items que tu fais en late, puisqu'ils demandent des petits trucs maintenant, si je me rappelle bien. Bah non, voilà, tu vois, tu sais, t'achètes l'armure 5 potes, et puis tu peux l'améliorer en petits trucs là, Seekers, Arm Guard. Ah, c'est pas mal. Tu vois, c'est quand même sympa. Ouais, non, mais... dire, en gros, c'est quand tu joues AP contre les AP Bruiser, contre les AD Bruiser, quoi. Tu peux start avec les. L'armure 5 vrai, potes et tu seras rouge. Bien, quoi. Oh, je vais faire mon. Oh, je vais courir partout. Oh. Ah, voilà, tu l'as fait. Attention, je crois qu'il te voit. Ouais, il me voyait. Je comprends pas là pourquoi on fight pas en fait. Parce qu'on attend. Ah, le Z qui se suicide. Pas d'un inhib, c'est dégueulasse quoi. Oh, tellement raté ce ult. Vous allez push top là. J'ai nié le Drake, je push mid. In the dark, all is left there. Non mais là y'a pas Z, c'est 54.
peux choper la Mumu au pire. Voilà, free tour pour le Drake. Enfin, ça règle du... Ah, du... D'accord. Bon joueur. Fais gaffe, fais gaffe. Ouais. J'avais encore tous mes summoners, donc c'était dans la merde. Ah, mais le problème, c'est que Zed, il ne peut pas jouer avec nous. Ouais, il a 9-4. Ouais, c'est ça, il a pas envie de jouer avec nous. Non, regarde, il est bot encore là, le mec. C'est ah, les Ward Blast, vite fait. Attention, ils sont là. Oh. Ok, je lui ping de back, mais il était tout seul le Rumble quoi. On wings of night. Ah, du coup, j'ai perdu trop de thunes avec ce nouvel item. Et ça commence quand le tournoi Millenium ? T'as des infos dessus ? Ouais, je te dis, là il y a eu les qualifs des teams qui étaient donc pas invités. Ça finit aujourd'hui à 20h, il y a les, la dernière qualif. Et puis ce sera les teams, les 4 équipes qui ont été qualifiées contre. Enfin, avec les 4 équipes invitées. Ouais, mais donc, c'est ce quoi sera, c'est un système de BO3, je pense. Donc sous forme de, d'arbre de tournoi hein, classique. Ouais, non, mais il y a. C'est. Ah mais c'est un art de tournoi parce que je pensais qu'il voulait faire comme une saison, une ligue. Je sais pas. Je dirais qu'on... Non. Je suis quasi sûr qu'on joue mercredi donc je réfléchis à ce moment-là. Loco là. T'as pas une worm, t'as pas une worm. Non. Mais je suis tellement mamie. Mais là on peut y aller quoi. Je voudrais bien sauter. Juste poke. Amazing il fait des bandelettes dégueulasses aujourd'hui. Là j'ai mon TP plus une boîte de mobilité. C'est toi qui a ping ça? Ouais. Ouais mais bon s'il y a pas de ping quoi. Ah mais on peut fight en fait là. Ouais go fight. Il y a back, ah, il y a shake back. Ouais mais je peux pas TP, je peux TP nulle part en fait. Ouais ok à tout. Et alors, mais... Non, tu speed push, mais du coup, on a pas de tank chez nous. Faudrait que Z aille dedans et qu'il y ait un temps multi de chaîne. Ah, ouais, c'est un chou. Force un flash. Oh, that flash. Ah non. Moi. Quatre. Il y en a un dernier par là. Je me suis fait plaisir là, my god. Bah Vayne quoi, là t'es à peu près free. Quasiment. Oh, mais il faut jouer avec 150 de tension. Hein. Non mais là il y avait personne sur ça, à part l'ulti d'Aminu. Ah non mais j'ai eu les ults du coup. Et le truc qui est bien c'est que j'ai flash out de l'ulti d'Aminu. Puis après j'ai eu les autres ults, j'ai clean, c'est là j'étais bien. Heureusement que j'ai mes deux summoners mais... Ah Ryze pour push c'est tellement drôle quoi. Ah bon faut faire gaffe là, je peux aller le nage quoi. Faudrait back là, s'il y a un mort ils ont le Nash. On wings of night. Ouais, ils vont y aller. Ouais, mais c'est bon, on est bien. Un peu counter. Ils peuvent pas le faire. Oh, ils le font! Ouh, c'est chaud! Par contre, Z, il préfère faire les loups.
Allez, faut y aller. Il y a Cyrus qui attend, là, gogo. Hein. Voilà, je suis là bientôt, et je crois pas qu'il a l'ulti. Focus la mémé. Le pinta. Le pinta, formi. Vraiment notre tout dé. Je dois l'assist par contre. Bon. GG. Je joue que pour ça. Il va courir partout. Vas-y, vas-y, Fear. Oh, no balls. Et c'est jeune. Oh, c'est tellement mal joué. Ouais, c'est bon. Bon, le zone, la base. Ah non, finissez. Dommage. J'ai. Donc là, tu gagnes des points, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça le concept. Tu veux voir un peu combien on gagne, mais... Ah, il faut aller voir sur le profil, je crois, combien tu gagnes. Ouais, c'est ça. Le but, c'est d'arriver profil, à ça, quoi. Il y a 0 points. Ah, j'ai gagné 1 point. Pardon ? J'ai gagné... Enfin, je suis j'ai toujours gagné à 0. 1 point. Oh my god. C'est quoi ? C'est parce que je suis premier de la ligue pour l'instant. Parce que je gagne 1 point, quoi. Ah, il y a des petites insignes, là. Ah non, je suis à 9 points. J'ai gagné 3 parties en chaîne. Waouh. Ouais, ben voilà, il y a Babitux des E-Int là qui est juste derrière moi. Il est aussi à 11 points, donc ça va, je suis pas mad, c'est normal. Je crois qu'il faut juste le temps que les gens jouent, quoi. Ah, mais c'est... regarde dans le League. Ouais, mais je suis dans League, ok, toi aussi. T'es où? Non, mais moi je suis dans Nasus. Ah, ouais, je suis à 9 points, je suis 3ème. Ouais, moi je suis premier, j'ai 11 points, mais. Si ça monte comme ça. Oh là là. Enfin, soit je me mute 2 secondes. Je reviens. Sound muted. Ah, j'espère que vous avez apprécié cette petite duo queue. Oui, j'étais avec Narcus pour ceux qui n'étaient pas encore là. On a fait une petite duo bot. Il a joué son Fiddle. Donc, ceux qui connaissent Narcus savent que Narcus aime vraiment bien jouer Fiddle. Et ça s'est vachement bien passé, parce que jouer Vayne actuellement c'est assez ballsy, mais voilà. Fini en 11-2, ce qui est quand même pas mal. Donc je vais sur une petite page de pub, je vais voir si j'ai le temps de relancer une game, et puis on se retrouve juste après, tout de suite. Thank you.
Voilà, re tous trompés d'overlay. C'est cool du coup parce que bon, il y a le nouveau système, mais on est quand même en matchmaking avec des gens très forts, toujours les mêmes. Donc même si je suis diamant 1, je crois qu'il n'y a pas mieux pour l'instant. Il faut le temps que les gens se placent, qu'on gagne des points pour platinum 1. On gagne des points pour obtenir le diamant. Donc en fait là les Platinum 1 c'est la meilleure division actuellement. Il n'y a pas de diamant pour l'instant. Et je pense qu'il faut juste attendre que les gens gagnent des points, accèdent au BO5 et accèdent à la division diamant, etc. jusqu'au Challenger, quoi. Donc voilà, pour ceux qui demandent, oui, il y a un nouveau système, il y en a qui viennent d'arriver sur le stream, je vois. Oui, il y a un nouveau système, donc c'est un système de ligue où on gagne des points. Une fois qu'on est à 100 points, on peut passer à une division supérieure. Alors... Donc je vais pas reduo avec Narcus, même si c'était fun, j'espère que vous avez apprécié. Je vais juste passer le stream dans pas longtemps à Dwagby, qui sera déjà bientôt ready parce qu'il reste qu'un petit quart d'heure. Même pour une ARAM c'est un peu chaud et j'ai pas envie de dépasser d'un quart d'heure, je trouve ça vraiment trop. C'est un petit peu ennuyant pour le streamer d'après tout simplement. Donc dès que Dwagby sera prêt, je lui passerai le stream et peut-être qu'il aura l'occasion du coup de faire 3 games et pas 2 puisqu'il commencera un petit peu plus tôt. Tu perds des points de ligue si tu dodges. Actuellement, t'es first Europe dans les points. Donc forcément, c'est lent. Ah, c'est ça. Donc ça veut dire que je dois être un des... Vu que j'étais bien classé, je dois être un des premiers à jouer. Puisque évidemment, il y a quand même plein d'autres gens qui font d'autres choses dans leur vie et qui n'ont pas encore fait de match. Et vu que j'ai fait des wins, je me suis retrouvé dans les premiers des premiers qui ont commencé à jouer. Donc forcément, je gagne pas beaucoup de points. Donc si j'attends un peu, à mon avis, les gens auront 10-11 points aussi. Et du coup, je regagnerai pas mal. Quand tu dodges, tu prends moins de pénalités en termes de temps, mais tu perds les points quand tu vas dans les ligues. Pourquoi n'achètes-tu pas au plus vite un Last Whisper vers le troisième objet? Parce qu'à chaque fois, je regarde l'armure qui est en face, et bah, dans les deux games que j'ai eu, là, il y avait vraiment très peu d'armure. Du coup, je me suis permis de faire un peu de vie avant, parce qu'il n'y avait pas besoin que j'aie de la pénalité armure, vu qu'il n'y avait pas d'armure en face, tout simplement. Alors je regarde quelques queries donc en attendant que Dwagby se prépare, il sera prêt d'environ 5 minutes. Où est-ce que je peux retrouver toutes tes vidéos? Est-ce que tu uploades des VOD? Alors oui, j'uploade les streams qui sont intéressants. Aujourd'hui par exemple, vu qu'il y a eu un petit fiddle support sur Narcus, je pense que je vais upload la game. Je trouve ça vraiment intéressant que vous voyez une fois autre chose que des botlanes classiques et des méta classiques. Donc par exemple ce stream-ci, je pense que je vais l'upload. J'uploade en général les trucs que je trouve vraiment intéressant pour vous, donc pas des rapes en 20 minutes ou des trucs comme ça où il n'y a qu'une stratégie, un Unicate qui win sa lane et qui est fait, c'est pas très intéressant non plus. Donc si vous voulez suivre tout ça, c'est soit sur mon Facebook, soit sur mon YouTube, donc c'est marqué en bas à gauche de votre écran, simplement Facebook ou youtube.com/lolsqueeze et vous accédez à tout ce que vous voulez. J'ai gagné 26 à ma première partie, nice. Nice, mais peut-être qu'en gold il y a plus, parce que là tu dis que t'es gold, peut-être qu'en gold il y a plus de joueurs, ou alors je dis n'importe quoi, hein, mais à mon avis il y a plus de joueurs en gold qu'en platinum 1, donc c'est possible que tu te retrouves plus avec des gens de ta ligue déjà. Alors, comment stuff Kayle mid? Alors je vous invite tous à regarder mes replays que je upload sur ma chaîne YouTube, vous verrez. Tout simplement, parce que c'est une question qui revient vraiment souvent, parce que vous savez que je suis un joueur de Kayle. Mais concrètement, je crois que c'est encore dans mes match history. Non, c'est pas dans mes match history, malheureusement. Concrètement, Lich Bane, Rabadon, Dent de Nashor et Botte du Sorcier. Alors, si on regarde en bas à droite, il t'explique que si tu gagnes les prochains matchs, tu passes directement en diamant. J'ai gagné les trois prochains matchs. Mais il est juste mis ici que je dois d'abord avoir 100 points et puis je dois gagner le BO3. Voilà pourquoi. Donc je ne serai pas en diamant encore. Là, j'ai gagné 3 matchs, c'est très bien, mais vous voyez que je ne suis pas diamant. Je suis encore plate.
Et oui, effectivement, pour ceux qui veulent plus d'infos, quelqu'un Wisp ici, il suffit de cliquer sur ce lien ici en bas à droite une fois que vous êtes dans League. Alors, beaucoup de questions donc sur le système de League. Je vous invite vraiment à regarder le site ou ce truc que je viens de vous montrer. Hein. Tu penses quoi du nerf de Nunu? Voilà, une question vraiment intéressante et qui ne parle pas donc de la mise à jour. Je sais pas. J'attends vraiment de voir ce que ça donne. Je pense que Nunu est encore très bon parce que Nunu, sa force aussi, c'est son E. Le E qui slow énormément. Après, c'est vrai qu'il a été nerf sur tous les trucs du Z. Donc tout ce que faisait le Z, la durée de l'attaque speed, la durée de. Oh, la durée de l'attaque speed. Les coefficients sur l'attaque speed. Et aussi sur la vitesse de déplacement, mais je pense que c'est toujours bon. Hein. Ça reste toujours élevé, ça reste un très bon skill. Et Nunu apporte énormément de choses. Donc à mon avis, il restera encore joué. Comme je te l'ai dit sur Facebook, c'est avec avec plaisir que je link ton Facebook. Ben merci. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle combinaison pour faire Zonia? J'en ai parlé in-game. Hein. Ça permet vraiment de. Quand on est à AP mid de tenir contre un bruiser et puis c'est un objet plus early game qu'avant. La division 5 c'est la plus haut classée que la division 1 ou je me trompe? Non, c'est la 1 qui est mieux classée que la 5. Alors, encore une bonne question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter Pierre de Vision sur Lee Sin ou Katarina pour Jump Trick Ward? J'envoie sur des Lee Sin, après sur Katarina tu vas prendre. Tu vas prendre vraiment beaucoup de retard, donc je te la conseille pas sur elle. Surtout que tu vas pas utiliser tellement de ward sur Kata. Ça permet pas de gros moves sur Kata, mais c'est vrai que sur Lee Sin, oui. Ok, je check juste si Dwagby est ready. Dwagby est ready. Donc je check rapidement mes queries. S'il y en a vraiment un intéressant qui ressort, je lirai. Tu. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, c'est affolant comme tu joues bien et surtout la chance que tu as de jouer avec les joueurs si bons comme Engsting, Reckless, etc. Mais à quand l'équipe pro? On est actuellement avec Dwagby chez GSU. Je rappelle pour ceux qui savent pas. GSU qui jouera donc à la Cup Millennium, dont les qualifs se passent actuellement. Donc, il y a des qualifs ce soir. C'est la toute dernière qualification. Donc, on vous invite vraiment, Dwagby et moi, à nous suivre là-dessus. On espère que vous serez présents sur l'événement. C'est une manière à vous de. Mais de vous prouver, une manière à nous, pardon, de vous prouver qu'on n'est pas des simples streamers et on essaye quand même de se montrer sur l'e-sport, en tout cas l'e-sport français. Donc on verra si ça donne quelque chose. Moi j'ai de l'espoir, je pense qu'on peut aller loin. Après la victoire sera pas du tout gagnée d'avance parce qu'il y a des grosses teams. Et. Ah, ça c'est un truc qui m'a fait quand même assez rire. Est-ce que Owned a un problème car j'accède pas au stream? Owned est fermé, en tout cas va fermer, je pense qu'il a fermé aujourd'hui. Donc voilà pourquoi, parce que Owned n'avait pas d'argent pour payer ses streamers. Donc tout va se retrouver sur Twitch. Je sais qu'il y a un nouveau truc, Azubu Stream, ou un truc qui va sortir aussi. Effectivement, il faudrait pas que Twitch soit monopole sur le marché, logique. Donc il y a des trucs qui sortent à côté. Voilà, il y a Dwagby qui est ready. Je vais pas rester plus longtemps. Je vous dis à plus tout le monde. On se retrouve logiquement lundi, si je me trompe pas. Lundi à 16h, donc quasiment tous les jours de la semaine, de 16h à 18h, c'est moi qui stream. Donc je vous invite encore une fois, si vous souhaitez me suivre, à rejoindre la page Facebook et la page YouTube. Tout de suite, c'est Dwagby, restez sur la Millennium TV 2. A plus tout le monde!